Et yo les potes, me revoilà, Jordi MP4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et vidéo un peu spéciale. Je pense que vous êtes en train de le voir directement derrière. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Mobile. Oui, les amis, je sais que le jeu, ça fait quand même quelques années qu'il est disponible sur mobile, voilà, je crois. Et aujourd'hui, on joue sur mon tour, voilà, c'est à mon tour de vous proposer une vidéo sur le jeu. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé amoureux de ce Call of Duty. C'est peut-être un des mieux que j'aurais pu kiffer en mode 10v10. Déjà, on va se lancer du multijoueur et ce sera tout simple. Les armes que je joue de base, il s'agit des snipes. Voilà, je joue beaucoup en snipe. Actuellement, je suis en train de jouer avec le DLQ33. Voilà, un snipe qui est assez bien puissant, je ne vais pas vous mentir. Et à la fin, dites-moi en commentaire si un jour vous voulez voir c'est quoi ma classe, je pourrais vous en faire. Oui, au cas où, je pense que je suis pas retourné dans mon ancien studio. Voilà, j'ai un vieux décor dégueulasse avec ma YouTube monnaie. Et aujourd'hui, on va jouer à Call of Duty. Et pour vous inquiéter, pour vous dire que voilà, je suis pas un tricheur, je pense qu'il y a plein de gens qui le font, j'ai connecté ma manette Scuf Gaming de Skyrim. Voilà. Actuellement, je vais jouer sur ma Scuf. Il y aura peut-être d'autres joueurs avec des manettes ou des palettes comme ça devant moi. Mais moi, je vois que mon scuff, on peut les connecter. Au cas où, si vous ne savez pas le faire, il s'agit de maintenir les deux boutons ici. Et quand le bouton clignotera en blanc, vous pourrez vous connecter en Bluetooth sur votre téléphone. Allez, on va lancer la game tout de suite. Et moi, je vous fais pas attendre quelques minutes. Allez, à tout de suite. Et me voilà, les amis, dans une game qu'on vient de rejoindre directement en snipe. Voilà, on va essayer de faire un carnage, mais on va voir. Déjà, l'écran est bien petit, mais voilà, ça... Oh, j'ai loupé. Alors, qu'est-ce que je peux penser de ce Call of Duty? Déjà, c'est que ça change bien. Franchement, quand vous voyez les joueurs et tout comme ça... Bah, sont... Quand, là, je vais pas dire que ça crampe, mais voilà. Si les gens, ils jouent, certes, ils sont avec des palettes. Et voilà, une triple. Alors c'est sûr que quand on joue avec manette, on pourrait dire que c'est plus facile. Mais en vrai, pas du tout, parce qu'ils vont, ils ont essayé de... mélanger presque plein de gens ensemble, pour éviter qu'il y ait des petits bugs, des fois ça avance, ça marche pas. Des fois on peut pas sauter. Allez, par exemple là, voilà, j'essaie de sauter, mais non. Alors avec la manette, ça peut déconner un peu. Allez, on va lancer mon prestor. On va voir. Ah, bizarrement, je vois mal parce que mon écran est quand même assez loin. Là, je peux pas trop savoir. Parce que de base, quand je joue, bah, je suis pile au-dessus de l'écran, vous voyez. Ouais, faudrait que je trouve une manière pour avoir l'écran juste pile par-dessus. Et sinon... Ah ben voilà, là c'est mort. Là vous voyez, mon écran est tellement loin qu'à la fin, je suis obligé de jouer comme ça. Voilà. Allez, on va réactiver. Mais pour vous dire que voilà, pour être sûr que ce soit plus facile, parce que j'ai déjà joué avec une autre arme, un fusil d'assaut, et je vous garantis que ça a été un carnage. Voilà, voilà, ça fait tout tomber. On va essayer de voir les cartes. Voilà. D'accord. Alors, pour être sûr que je perde pas moins en plus un temps, c'est que j'ai décidé de désactiver les... comment ils jouent les autres, parce que... Ça sert à rien. On a une grenade, c'est bien. Ouais, des fois ça marche, vous voyez, quand je jure que la gâchette, voilà, là ça marche, mais bizarrement on dirait que quand les gars sont en face, bah ça fonctionne.
Enfin bref, déjà, pour vous dire que ce jeu, je kiffe. Voilà. Ouais. Non. Quelqu'un a une éclair ? Quelqu'un fait une éclair ? Oh le bâtard, parmi nous, mais... C'est où? Quelqu'un fait une éclair? Eh, bah attends. Première vidéo. Et là, quelqu'un fait une éclair. Ça me tenterait de vous faire une éclair, mais voilà. Ouais, est-ce que ça va être quelqu'un? What shot? Ah, c'est dur. Franchement, on dirait que c'est plus dur que quand on fait une vidéo. Et quand on joue comme ça, bah, c'est un peu galère. Mais voilà. Mais là, je pense que ce jeu, bah, depuis que j'ai pas ma collection chez moi, je vous le garantis que je passe beaucoup de temps sur Call of, parce que c'est un jeu que c'est bien. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il y a deux joueurs qui doivent jouer avec des manettes, mais... C'est pas parce que genre crève, là en plus c'est que bah, l'arme le plus améliorée c'est le snipe, hein, je vais pas vous mentir. Et le pistolet. Je joue que avec le pistolet ou un peu des fois avec le couteau. Quand les gars, bah, c'est pas pour vous dire mais c'est bien. Hey, je crois que c'est moi le grand-fils qui fait la kick, hein. Franchement c'est stylé. Si cette vidéo vous plaît, franchement moi je pense que je vais en faire un autre. Au pire on verra avec nos montages. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à bombarder des likes. Hein. Si vous voulez jouer avec moi, tout simplement, il y a le nom de mon compte sur Call of Duty Mobile, c'est WX-89. Voilà. J'ai pas voulu mettre Jordi un peu 4 parce que c'est tout simple. Et en plus, voilà, je suis pas prêt. Ah, je suis 3ème du classement, j'ai fait 3600 nickel. C'est quand même assez sympa. Et voilà, voilà. Voilà les amis, moi je vous fais des bisous à tous. Merci de m'avoir regardé pendant cette petite vidéo. Voilà, c'est pour vous dire que comme ça au moins, je suis pas désactive sur ma chaîne YouTube. Et je pense que je reprendrai dès que je rentrerai chez moi. Déjà, j'ai proposé de poser une semaine de vacances. Pendant une semaine de vacances, je vais être en live, sauf pour le jour du réveillon. Mais voilà. Bon allez, je vous fais des bisous à tous. Merci de m'avoir suivi et de laisser un pouce bleu. Et voilà. Ciao, bye bye.